Donc on va récupérer nos fleurs pour faire de la décoration. Mais ce ne sera pas que de la décoration, on pourra bien sûr aussi les manger. Donc ici on a le trèfle des prés, du calendula, de la bourrache. Ici ce sont des feuilles de potentilles, du poireau sauvage, du laiteron maraîcher, le plantain. De l'ortie, de la petite pimprenelle, de la menthe sauvage, suaveolens, de la mélisse, un goût de citron, de l'origan, petit bout de feuille d'ail. De l'ortie. Alors l'ortie, une fois bien mouillée, découpé finement, mixé, ce n'est plus du tout urticant, on peut le manger cru. Et c'est là où il y a le plus de vitamines, le plus de minéraux. Le plus de nutriments. Ça, c'est une fleur de thym. Ça, c'est un goût aux huîtres. Oui, c'est un goût à l'huître. Un goût iodé. Ça s'appelle. Ça s'appelle de la bourrache. Donc maintenant, on va rassembler les plantes dans la main. On va utiliser un ciseau multilame. Et on va couper toutes ces plantes. Et voilà le résultat. Votre salade avec les plantes et fleurs du jardin.